6 bonnes raisons de vivre de votre passion du vin. Alors on commence d'emblée avec la première bonne raison. Le vin est un sujet passionnant. Et ouais, non seulement il est passionnant, mais en plus c'est un sujet qui est inépuisable, puisqu'il faudrait vraiment plusieurs vies pour pouvoir l'appréhender tellement le sujet est vaste. Et ça c'est génial parce qu'on s'ennuie du coup jamais. On découvre tout le temps des choses. Et ça c'est top. La deuxième bonne raison, c'est que bah, c'est une activité plaisir. En fait, quand les gens viennent me voir, par exemple, moi, pour mes dégustations de vin, bah, ils viennent avec le sourire, quoi, ils viennent passer un bon moment. Et bah, du coup, on partage ce bon moment. Et ça, c'est top, ça, c'est vraiment génial, on s'ennuie pas, quoi. Là, troisième bonne raison, c'est que ça permet de rencontrer bah, des gens passionnants, notamment des clients, mais également des professionnels des métiers de bouche, par exemple des artisans, des chocolatiers, des chefs, des fromagers ou des cavistes, des vignerons. Et ça, c'est top parce qu'on se nourrit de leur passion, hein, ils nous apportent énormément. Et ça, c'est top. La quatrième bonne raison, eh bien, c'est que ça permet de générer un revenu, alors qu'il soit complémentaire ou principal, hein, eh bien, ça permet d'en vivre, puisqu'on peut très bien avoir une activité complémentaire avec le vin. La cinquième bonne raison, eh bien, c'est que ça permet de briller en société, hein, souvent, l'amateur de vin, en tout cas le connaisseur, bah, c'est celui vers qui on se retourne quand on veut un conseil en vin, etc. Et puis comme bah, il n'y a pas beaucoup finalement de vrais connaisseurs, eh bien, ça permet de se démarquer, hein, et donc de appelle ça briller en société. Enfin, la sixième bonne raison, eh bien, c'est que ça permet de déguster bah, des grands vins, hein, des bons vins. On va se gêner, tiens. Voilà, ça permet de déguster bah, des vins qu'on n'a pas forcément l'habitude ou en tout cas les moyens de se payer si on n'avait pas cette activité-là. Vu qu'on là, on est plusieurs à déguster une bouteille, ou, bah, voilà, ça permet d'avoir accès à ces grands vins. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez vous aussi avoir, eh bien, vivre de votre passion de vin, avoir une activité dans le vin, eh bien n'hésitez pas, cliquez sur le bouton plus bas et vous aurez accès à ma formation ou à mes webinaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.